C'est quand tu dis on. C'est quand tu l'as tué. Oui. Comment tu l'as tué? Hein? Tu as pris son âme. Oui. Il te est passé avec. Oui. Mm-hmm. Oui. Tu l'as égorgé. Maintenant, il est mort comment ici? Il est à l'hôpital. Mm-hmm. Sauf à l'hôpital, il est mort à l'hôpital. Mm-hmm. Et toi, on dit c'est maladie de la tuer. Attends, c'est toi qui l'as tué. Tu as tué quelle personne avant? C'est un défaut. C'est un défaut. J'avais commencé. Il n'est pas de ta famille. Il n'est pas de ta famille. Non. Où est-ce que non? Parce que lui, il n'a pas fait de vie maintenant pour nous. Son âme, nous sommes dans la même chose. Comment tu as arrivé à tuer pour la tête, il n'est pas de ta famille? Tu as fait non? C'est ma famille qui a envoyé son âme. Ta femme. Bon, moi, je vous ai dit, mais comment tu as arrivé à prendre son âme? Tu n'es pas la fille de ta famille. Tout ça, laquelle vient? Tu es allé prendre son âme. C'est ma vie qui m'envoie. Je sais. Mais laquelle vient? Attends, tu l'as envoyé. D'accord, oui. Ils sont son frère, son père. Non, pas mon frère. Et ta tante? Oui, tu vas dire sans parenté. Mais tu es allé, en fait, tu as pris son âme. Tu as fait comment prendre son âme? Je me suis trouvé à lui. Il est passé par le monde. Il était où? Il dormait. Mm-hmm. Il t'a dit quoi? Il a dit quoi après son âme? Il a parlé à Jésus. C'est ça la tête d'île là. Il dit c'est ma tante qui m'a envoyé. Vous parlez un peu. Allons vite. Il dit c'est ma tante qui m'a envoyé. Ça, il est bien dans le temps. Ça, il est bien dit ça. Quand tu es arrivé dans sa chambre, il est bien dans sa chambre. Il a pris son âme. Il a dit quelque chose. Oui. La main de quoi, maman? Elle dit. Il est parlé à Jésus. Comment? Elle dit, il est parlé à Jésus. Il a dit, il m'a dit, t'as dit quoi? Tu as dit. C'est qui t'a parlé la bonne vie? Son âme m'a envoyé. Ah! Ah, mais tu veux pas dire. Je comprends pas, je viens vous brûler encore. Parce que vous êtes difficile. Sauf si je dis, il est pour gagner. Je suis non sûr. Même votre réponse, il est parlé à Jésus. Voici, on est prêt à frapper les seigneurs, pas pour se posséder la foi et la vérité. Il vient ici, j'en ai révisé ma vie. Et de la foi de la vérité, c'est quoi? C'est un Dieu. Dis son nom. Ça fait Apo. Tu n'as rien à voir à Apo. Non. Il est déjà sorti à toi une fois. Non. Comment t'as eu à prendre son âme? Je suis parti par le con. Je me suis dit que j'ai un ami. Mm-hmm. Et c'est pas responsable. Mm-hmm. Et lui, c'est sa grand-mère qui m'a fait une responsable. Elle est là-bas. Oui. Non, toi, on t'envoie pour tuer. 4 personnes. Mm-hmm. C'est sa soeur, sa mère. Mm-hmm. Sa femme aussi, elle est mon responsable. Mm-hmm. La fille aussi. Mm-hmm. Et pour son âme, c'est pas ça, c'est ça. Ça, c'est ma tante qui m'a envoyé. Et dans la sixième maison, c'est ma grande. Et puis son âme. Ta mère, ta grande, c'est comment tu l'as? Tu l'as en prison pour les autres? Oui. Tu as pris son âme comment? Je me suis dit qu'à l'époque, elle est passée par lui. Il est parlé de son âme. Et c'est ma tante, elle dit, il a envoyé ta tante. Maintenant, comment on fait pour faire ça? Tu fais comment? Pour m'attaquer. Je veux ça. Pour faire ton pouvoir, puis tu m'attaques. Pourquoi? Moi, je veux que tu m'attaques. Parce que tu tues les gens. Tu peux s'échouer. Toi, tu allais être la sorcière avec ta bonne sorcière en prison. Ça y est, tu es forte. Pour m'attaquer. Ça y est, tout ce que tu connais comme pouvoir. Pour me laisser moi. Pour me dire. Pour m'attaquer. Hein? Pourquoi? Bon, moi, je ne demande pas à toi de faire quoi. Pourquoi? Le prophète attaque-moi.
ma bouzi. Ya mia. Ya chassé non. Attaque moi. Hein? Tu peux pas. Mais regarde-moi. Voilà, c'est qui en moi? C'est détruit. C'est qui en moi? C'est qui en moi? C'est détruit. Là, on a un chien. Come on! Si vous avez Jésus-Christ, vous êtes au-dessus de la sorcellerie. Ils ne pourront rien contre vous. Parce que la Bible déclare que c'est qui en nous qu'on a l'Esprit de Dieu. Nous devons pas avoir peur d'un sorcier. Le feu.
L'abomination de Dieu. Vous pourriez rentrer dans la maison des gens, vous les tuez. Après, les conseils, les rentrants. Il y a une puissance au-dessus de votre puissance. C'est le pouvoir au-dessus de votre pouvoir. C'est le pouvoir de Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ. Je t'entends. Esprit de sorcellerie. Et si elle vous a mis en jeu. Je te terrasse. Parle en dehors. Je te terrasse. Parle en dehors. Tombe là. Oui. Allez. Oui. Je te terrasse. Parle en dehors. 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 Il y a une puissance. Qu'est-ce que je suis de votre puissance. Le coup, il y a un pouvoir qui est au-dessus de votre pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir de Jésus-Christ. Alors je te demande de rentrer du cabot excellent. Rentre. Au nom de Jésus, voilà, tu vas ramper. Pour rien vous tuer les gens. Allez. Tu vas ramper. Ramp. Je mets le feu dans ton dos. Tu rampes maintenant. Le feu. Dans ton dos. Le feu. Tu te mets en genoux maintenant. Mets-toi en genoux dans le nom de Jésus. Mets-toi à genoux dans le nom de Jésus. Mets-toi à genoux. Mets-toi la main. Mets-toi à genoux. Tu vas te mettre en genoux. Sous la puissance de Dieu. Sous la puissance de Dieu. Mets-toi en genoux. Parce que la Bible déclare que tout genou doit fléchir en ce nom. Parce que plus de rien là-bas. Tu dois retourner le tour. Et pour toi, de ce nom de Jésus-Christ. Mets-toi en genoux. La main est chale. Mets-toi en genoux. Mets-toi en genoux. Pour reconnaître la puissance de Jésus-Christ. Tu vas te mettre en genoux. Et ne peux plus te. Maintenant. Mets-toi en genoux maintenant. Vous reconnaissez la Seigneurie de Jésus. Mets-toi en genoux. Je te lève, je te mets en genoux. Sous la puissance de Dieu. Sous la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Mets-toi à genoux maintenant. Tu lèves tes deux mains, tu les balances pour reconnaître la puissance de Jésus. Démon, tu lèves tes deux mains. Allez, tu balances. Tu reconnais la puissance de Dieu. Tu reconnais la puissance de Dieu.
Maintenant la puissance de Dieu des terrasses. Elle des terrasses. Comment tu t'appelles, madame? Bien. Comment vous l'appelez? Allons. Nous sommes venus à l'église à la volée de nous, la boca. Vous allez voir ce que les gens ne voient pas. Ça va choquer ce soir, dis amen. Amen. Je vais vous révéler beaucoup de choses. Il va dire que c'est comme ça. Amen. Moi, il faut que je vous révèle beaucoup de choses. Il va dire que c'est comme ça. Amen. Quand tu as pété un poste, qu'est-ce que tu dois faire dans ton bureau? Quand tu arrives le venir, d'accord, le bureau, le corps, le nom, il va venir. Quand contre toi est là, il y a des problèmes. Il a des moyens dans son corps. Il faut que je vous montre des choses. Yeah. Un ange doit être dans ton bureau. Un ange doit descendre. Ah, je te dis ce qu'on doit faire. Pour que l'ange ne monte pas dans ton bureau. Vous donnez la secret. Amen. Moi, tous les matins, il y a un ange qui ouvre la porte. J'ai un ange dans mon salon. Le haut qui est un ange. Oh, je vais vous montrer le langage des anges. Vous allez parler aux anges. Ils sont à vos services. Dis amen. Amen. Et qu'on prenne la main Jésus. Où l'esprit n'est pas dit. Il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est un corps, t'as de nous. Amen. Tu es assis, quelqu'un ne doit pas venir s'asseoir comme ça. Quelqu'un est assis dans les mauvaises intentions, il tord. C'est un valet pour les gens d'un coup. Deux fois qu'un coup, il tord, donc alors qu'il est mauvais. Frère, soyez puissants. Devenez des hommes puissants. La vérité de Dieu, la salle, vous a appris. Vous devez devenir puissants. Amen. Vous devez devenir puissants. Vous devez des hommes puissants. Que les gens aient peur de vous. Soyez une femme puissante. Sois puissante. Amen. Venez, toi-même. Laissez cette onction. On va vous distribuer ça le soir même. Il dit, je ne néglige pas le don qu'elle lui est donné. Moi, je veux te communiquer un don de guérison. Le Saint-Esprit là, on dit, quand vous vivez des Corinthiens, on lit le Saint-Esprit. Il a dit, laissez les dons, c'est le Saint-Esprit. Ah, rien, qu'il.
J'ai besoin du reste du message. Non, ce n'est pas le message que je m'entends. J'ai démarré le message. Il y a un message que tu vas finir. Voici l'onction dans ta bouche. Voici l'onction dans ta bouche. Voici l'onction dans ta bouche. Tu parles à l'âme. Tu parles à l'âme. Tu parles à l'âme. Ta bouche est guérie maintenant. Ta bouche est guérie. Ta carrière, les anges sont une réalité. Les anges existent.